que tu veux pas comprendre, dimanche, c'est qu'il y a deux services dans mon cerveau. Il y a un service administratif que c'est des enfoirés de neurones. À cheval sur règlement. Tu comprends ça, toi? Des enfoirés, à cheval sur règlement. Je suis pas un neurone, moi. Des petits mesquins comme des fourmis. Des neurones qui fonctionnent dimanche comme des fonctionnaires. Qui fonctionnent, mais qui réfléchissent pas. Il me laisse rien penser. Il me contrôle, il me surveille, il m'empoisonne l'existence. Tu comprends ça? Il m'empoisonne l'existence! Il y a un service artistique, dimanche. Un service artistique. Que c'est des neurones. En création continue, 24 heures sur 24, dimanche. 24 heures sur 24, création continue. 365 jours sur 365 jours. C'est épuisant, des neurones qui inventent. Qui inventent dimanche. Qui ont compris que les règlements ne sont pas gravés dans le marbre une fois pour toutes. Qui ont compris que la liberté, c'est un animal sauvage. Un loup dimanche. Si tu le captures, si tu l'enfermes, il sait se nourrir. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça dimanche? Ah, mais tu m'en mielles avec tes discours. Tu m'en mielles. Si tu crois que j'ai une gueule à supporter ta création continue 24 heures sur 24. C'est pas ça dimanche, c'est pas ça. T'es pas digne. Tu foules aux pieds la dignité humaine. Didji, messieurs, dames. Didji qu'elle foule aux pieds la dignité humaine. Didji qu'elle abaisse l'humanité tout entière en faisant ça. Mais Didji donc, nom de Dieu! Dimanche, tu tires l'humanité entière vers le bas. Avec la modernité, c'est et pas la digne, de son atelier, son atelier. Il a eu envie. Monsieur le directeur, seriez pas une petite ligne budgétaire pour mon service administratif? Calme, reposant, non. Avec un mobilier de et au suivant, des cheminées, liberté, égalité, fraternité. L'ambiance d'une maison de campagne. Madame, s'il vous plaît, pour l'amour de ce petit, soyez pas une petite pièce qui vous fait plus d'hiver. Qui invite au farniente à la lecture. Chiné au puce. Chiné au puce. Dans les brocantes, les meubles qu'il a choisis sont des copies d'anciens. Ce qui lui a permis de les débarrasser de leur côté conventionnel en les traitant avec fantaisie. Parce qu'une bonne base intemporelle peut se couvrir de blanc, de brun, de violet, ou même de bleu lavande, symbole aujourd'hui d'audace et de liberté, comme si la vie avait besoin de certaines couleurs pour s'exprimer et souligner la créativité qui se trouve là où on a envie de la trouver. Il dessine une bibliothèque face à un miroir qui agrandit l'espace ainsi qu'une porte coulissante qui permet de profiter d'une double source de lumière comme dans les maisons du XVIIIe siècle. Pour conjurer la banalité de l'architecture, il joue avec les textiles précieux tel ce lourd rideau brodé et semblable à une robe de mandarin que l'on tire le soir pour procurer une atmosphère raffinée où cette panne de velours vénitien doublée de soie jaune, une touche de 18e siècle dans le salon, une pointe de 19e dans la chambre, Gérard dit, ne reste pas l'esclave d'un style, mais joue sur les mélanges d'objets de provenance diverses pour créer des rencontres inattendues. Un lustre à pampilles éclaire une table indienne, une armoire autrichienne côtoie des chaises suédoises dans un univers très rangé. Cette obsédé de l'ordre, réinvente un désordre. Là, tu lis ou t'inventes? Je lis. J'invente pas. On n'invente pas ces trucs-là. En improvisant un drôle d'accrochage pour les rideaux, personnalisé par un texte de camomille démente, elle s'appelait Ève et dotée de 2 mètres de trop.
en longueur qui viennent se passer sur le parquet. Là, on est aux frontières de la littérature. Et c'est bras généralement. Aux frontières de la très haute, de la très grande littérature. Ressenti comme un sacré. Ma sœur, s'il vous plaît. Assurée d'un. Par miséricorde et pour le bon Dieu, vous n'auriez pas une petite pièce, rien du tout. S'il vous plaît, par charité, ma sœur, par charité chrétienne. On n'invoque pas le Seigneur impunément. Dans la salle à manger, les ma sœur, vous savez bien que je m'en dis du blé pour pouvoir manger un peu de pain, s'il vous plaît. Allons, mon fils. Ne nous obligez pas à mentir. Un peu de dignité, que diable. Reprenez-vous. Reprenez-vous. Hé, ma sœur, qu'est-ce que vous voulez que je reprenne? Je suis un homme perdu. Et ma sœur. Mademoiselle, s'il vous plaît, n'auriez pas un petit fond de porte-monnaie pour deux estropiés? Mais si encore ça, il aime que la première fois. Excessive de peinture. Réapparaissent. Merci, mademoiselle. Merci, du fond du cœur. Et bonjour, Nathalie. Qu'on perçoive légèrement les traces du passé sous la transparence du blanc à peine passé au chiffon. Ses goûts vont d'une extrême à l'autre, il en use avec une extrême liberté. Liberté, voilà le mot. Voilà le mot, liberté, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas beau ce mot? Liberté, égalité, fraternité sont pas un peu beaux ces mots? Ils sont pas un peu cons ces mots? Voilà, c'est la réalité. C'est con. Cool. À vous de choisir, messieurs, dames, vous avez le choix. Liberté, égalité, fraternité, libre, égaux et fraternel. À votre liberté, mesdames, à votre égalité, à votre fraternité. Tu lis ou t'inventes? Mais j'invente, dimanche. Je lis pas, j'invente. C'est mon service artistique qui fonctionne à plein pot. Il n'y a plus moyen de l'arrêter. Ce dialogue sublime est en train de naître et de mourir dans tes oreilles, dimanche. Perdu à jamais. Et pendant que mon service artistique crée cette œuvre sublime, il m'en enfoiré de service administratif qui me rappelle que je dois bouffer. Ouais, que je dois bouffer dimanche. Ouais. Que je dois quêter un peu de blé pour pouvoir manger du pain. Ouais, et du blé. Tu n'irais pas en chercher du blé? Avec un peu d'amour, avec un peu d'eau fraîche, ça nous ferait de quoi bouffer au lieu des mots sublimes, les mots sublimes. Tu l'as dit, j'ai amorcé la pompe. Les francs tout vont. À toi de jouer dimanche. À toi l'honneur. Ça a l'air d'un étron dans les chiottes de luxe. On ferait pas ton cul à un aveugle, même si ça lui rendait la vue. Dès la buse bouge, on sent qu'il va se passer quelque chose. Le bouillon de carottes aux fèves. Sarriette et l'art est un pur chef-d'œuvre. Et les surprises se succèdent avec les écrevisses au Vouvray et pois gourmands, le parmentier de foie gras et topinambour un peu brûlé, le homard sauté au beurre, rhum et citron vert, l'admirable côte de cochon fermier, pour deux, ou haricots demi-secs et son parmentier de boudin croustillant, la crème d'huître au bigorneau, la géline rôtie au morille et oignon nouveau, la truffe sous la cendre, le clafoutis aux cerises, les pralines et les mignardises, sa salade fruitée mêlant kiwi, melon, fraise, menthe et miel, où sa mousse gourmande, florambon, le chocolat noir, révèle un sens profond des bonnes choses qui, avec assurance, sait saisir le suc des richesses de la terre. On va bien songer à une troisième étoile pour autant de vertus.